Egalité. Égalité. Acte 2, scène première. Au lycée, les deux jumeaux marchent dans le couloir tout en discutant de l'examen de maths de l'avant-veille. Ça s'est bien passé l'examen de maths? Pas tellement. Encore une fois, très. Bon, ne t'en fais pas. Tu as d'autres talents. Une mauvaise note n'est pas une raison pour perdre l'estime de soi. Merci pour ton soutien. J'avais besoin. Mais ne parlons pas de notes. Tu as raison. Les yeux tombèrent. Tu as pensé quoi de notre nouvelle école? À vrai dire, Agnès, je préfère celle de l'année dernière. Les élèves d'ici font comme un vrai, mais j'aime et se moque de ma façon de m'habiller et du métier que je vais faire plus tard. Personne ne me comprend ici. C'est vrai. Pour être honnête, mon ancien, je me manque beaucoup. Et surtout, ma camarade, Christine, et ma meilleure amie au collège. Parle-moi d'elle. Retour en arrière. Agnès et Christine. L'année d'avant, dans leur ancienne école, sur un banc, dans la cour. Christine, je vais te confier une secrète, mais promets-moi que tu ne te moqueras pas de moi. Tu as ma parole, Agnès. Super, merci de ta bienveillance. Tu sais, je vais devenir pilote. C'est mon rêve à moi et j'aurai besoin de ton soutien pour mes recherches. Ce métier, tout le monde le sait, est un métier d'homme. Tu vas avoir beaucoup de monde si tu le choisis. Pour ma part, j'avoue que je ne le choisirai jamais. Puis, les militaires sont à mon avis des gens trop disciplinés et cautieux. Mais moi, je crois en toi et je te soutiendrai toujours dans toutes tes décisions, quelles qu'elles soient. Christine, merci infiniment. Il n'y a pas de quoi, Agnès. Les amis sont là pour ça, n'est-ce pas? Retour au présent. Agnès et Georges. J'aimerais bien que Christine soit là, à mes côtés. Tout irait beaucoup mieux. Tout m'étonne, Agnès. Christine était très gentille. Elle est un vrai pote. La cloche sonne pour la première récré de la journée, dans la cour de l'école. Un groupe d'élèves s'approche d'eux. Regardez comment ils sont habillés. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que ça cloche? Tu es habillé comme une fille et tu parles comme une fille. Les garçons ne s'habillent pas en rose ni en bleu ciel. Et toi, tu n'es pas mieux que celle-là. Ces couleurs ne sont pas pour les filles. Je ne comprends pas ton poids. Il n'y a de rien de trace, selon moi. Il n'y a pas de couleurs de filles et de couleurs de garçons. Toutes les couleurs sont pour tout le monde. À quoi s'attendre d'autre de la part d'enfants sans parents manquant de normes dans leur vie? Enfin, laissez-nous tranquilles. Pourquoi prendre la peine de nous offrir? Tu as raison, tu en veux pas le coup. C'est une perte de temps qui s'occupe de vous. Le groupe d'élèves part en ricanant. Marie, Costas et Marius s'approchent des deux jumeaux. Bonjour les gars. Bonjour. Quoi de neuf?
Ça pourrait aller mieux. Votre problème, nous tous, on est là pour vous. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Takis, l'enfant tyran de l'école, s'approche. Tiens, tiens, encore une surprise. Aujourd'hui, ça ne te regarde pas, quelle petite brute. Et toi, ne t'en mêle pas. Occupe-toi du déjeuner. C'est le critère de mon port du jour. Du rose. Tu devrais avoir honte de ton comportement. Laisse-le tranquille. Partez sinon, j'appelle le prof. Takis les regarde avec colère et s'éloigne. Acte 2, scène 2. Agnès, Georges, Marius, Costas et Marie dans la cour du lycée. Merci les gars, le temps viendra où nous vous retrouvons l'appareil. Quoi qu'il en soit, Georges, ne t'inquiète pas. Moi aussi, je me trouve dans une situation pareille. Je vais devenir pompier. Mais mes parents me poussent contre mon gré vers la médecine à cause de l'essence financière de la famille. Je te comprends, mais n'abandonne pas, Suiterelle. Eh bien, moi, je vais devenir médecin et je crois être dans la bonne direction. Puisque nous parlons de notre avenir, moi, j'aimerais étudier le droit international. Tant mieux, les gars, je suis très content pour vous. J'espère que vous réussissiez tout. Si j'étais seulement aussi censé. Je suis grand d'accord avec toi, Marius. C'est difficile d'avancer sans le soutien de tes proches. Tu sais, moi aussi, par exemple, ces derniers temps, j'ai beaucoup de mal à m'entendre avec notre père. Je vais devenir militaire, mais il veut me proposer une autre carrière, celle d'institutrice. C'est très décourageant quand on essaie de démarcher, de réaliser des rêves. Je te comprends. C'est une situation difficile que tu es en train d'affronter. Tu devrais avoir une discussion avec eux, leur faire comprendre ce que tu veux vraiment, mais aussi leur prouver que tu es capable d'y parvenir. Et dire que je n'ai pas essayé de le faire à mon entreprise, ils n'en voulant rien entendre. Non seulement ils me désapprouvaient, mais aussi ils étaient même sur le point d'utiliser de la violence physique envers moi. Après tout, ils ont peut-être raison. Le métier de militaire est très dangereux, surtout de nos jours. Et si l'intention de tes tuteurs était simplement de te protéger? Et pourtant, Marie, il y a une grande différence entre protection et manipulation. C'est ainsi que font nos tuteurs à Georges Chy. Ils empêchent la réalisation de ses rêves sans penser que cela aura un effet néfaste sur son avenir. Égalité. 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 Égalité.